pour moi, un média indépendant, quelque chose d'indispensable. Parce qu'aujourd'hui, quand on allume la télévision, il y a toujours une kyrielle de spécialistes qui vous expliquent comment vous devez penser, ce que vous devez penser, ce que vous devez croire et ne pas croire. Or, pour moi, un média indépendant va permettre aux gens de penser par eux-mêmes, de réfléchir par eux-mêmes, comme un outil éducatif aussi. Parce que je crois qu'on a tous en nous la possibilité de penser par nous-mêmes, de réfléchir par nous-mêmes. Or, ce média indépendant va donner cette possibilité aux gens, va donner la possibilité aux gens de s'exprimer, de réfléchir par eux-mêmes. C'est comme un outil éducatif. Et ça va nous permettre aussi d'avancer et de ne pas être dans une pensée unique de gens qui vous disent « voilà, c'est comme ça ». Et il y a une idée, une évidence. Or, ce média indépendant va stimuler l'envie des gens de réfléchir. On a tous en nous cette possibilité. Je crois à l'éducation et je crois qu'un média indépendant va avoir cet outil éducatif, va être cet outil éducatif et va pouvoir donner aux gens le souhait de réfléchir et du coup de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres et d'être des citoyens engagés et ouverts sur le monde.